Salut YouTube. Comment vas-tu? Ici c'est le jazz. On commence exactement au même endroit où nous étions arrêtés à la précédente VOD. Incroyable. Et YouTube, tu peux souhaiter bon appétit à Léléa qui est en train de manger. Il est 1h44. Il est temps. Il est temps. Pas le temps de niaiser. On a débloqué. Alors, magnifique. On a débloqué les cosmétiques. Bah, regarde. Regarde ce magnifique. Cette magnifique carotte. Non, mais là, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Merci, merci. De rien, de rien. Non, mais on peut pas. Non, je peux pas faire ça. La vérité, je peux pas me balader avec ma carotte. Merci, Marie. Ok, ok, c'est bon, arrête de faire le cake là. Bon, YouTube, j'espère que tu vas bien en tout cas. Tu te passes une belle journée, une belle soirée, je ne sais pas. Je sais jamais ce que tu fais, YouTube, en fait. Mais qui es-tu, en fait? Qui es-tu? Lanticora et brocoli saumon dans un jus de... Oh, mais ça a l'air trop bon, en vrai. Très, très bon, ça. Alors, le jeu a l'air de vouloir que j'aille à gauche. Allons à droite. Allons rendre le jeu fou. Ah, une graine de plante, gratos, comme ça. Ah mais c'est le début du jeu ça. Il y a des trucs à débloquer maintenant que... Ok ok, ah ouais d'accord, vous êtes vénère là. Oh, comment j'ai fait ça? Je veux le refaire. Ah ils aiment pas du tout par contre cette attaque. Ah non, d'accord, ils aiment rien à foutre. J'ai pas vu venir. Ça s'est vu? Ah, sauf que... Ok. J'ai eu de la chatte. Merci. Tu l'as pas vu venir celle-là non plus, hein? Pardon. Réaction. La réaction de qui? La carotte au vent. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Burke. Non mais vous y connaissez rien, c'est tout. Fais-toi intéressant, qu'est-ce qu'il a dit? Vis avec tes regrets. Ça c'est dur, hein. J'ai pas le suivi heureusement. Hein. Arrêtez, calmez-vous là. Calmez-vous. C'est des sbires. Crac. Ah bah je peux me soigner. D'où j'ai plus le saut? J'ai plus le double saut? Ah non d'accord, ok, je perds mon saut, non je peux pas aller là donc. Mais c'est trop bon le lait de coco. En vrai j'adore. Hein. Moi je suis pas trop fan de la noix de coco, ce qui est très paradoxal, mais. Ce que je vais dire est paradoxal, je veux dire. Pas paradoxal de pas aimer la noix de coco, mais je suis pas trop fan de la noix de coco. Mais par contre j'adore les plats au lait de coco. Lait de coco curry par exemple. C'est un peu gratos ce que je viens de faire, hein. C'est un peu excessif. C'était des sbires. Je sais pas. Où est-ce que je vais là? Mais d'accord que c'est inutile ce que je fais là. Pas tout à fait. Je pourrais débloquer des trucs mais... C'est pas du tout l'histoire. Bah vas-y, je vais pas faire ça. Je kiffe la noix de coco et je déteste le lait de coco. Ah c'est vrai? Ah bah moi si tu vois c'est plutôt l'inverse. C'est rigolo ça. Parce que je trouve que justement dans le lait de coco, bah après souvent le lait de coco je le bois pas comme ça quoi. Genre par exemple un Bounty, bon tu vas me dire est-ce que c'est vraiment de la noix de coco, hein? C'est vraiment de la merde surtout. Mais c'est de la merde goût coco, bah je peux pas. Cette merde là je peux pas la manger. C'est une façon de parler hein. Métaphoriquement parlant hein. Bah super, hein, j'ai déjoué le jeu. Mais il m'a vite remis à ma place. Hop hop, là je peux aller en bas moi. Je vais aller voir en bas. Ok. Dans les égouts.
Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive le jeu là? Faut pas la tourner là comme ça. Putain, mais la 3080 qui aime pas du tout le ray tracing, hein. Vous connaissez la blague de l'homme et de la noix de coco? J'ai pas. Non. Non. Non, mais ça va. Je m'en porte pas plus mal. C'est des nouveaux ennemis, ça? Ah oui. Je crois que là, j'ai déjà vu le. Aïe, je voulais juste aller me soigner, Michel. Après c'est un plat peu calorique. Oui, ce que t'as décrit, ouais, ça avait l'air plutôt sympa. Et au fait, l'énigme de tout à l'heure là, parce qu'on est parti complètement sur autre chose. Ah, quoi? C'est tout? What the hell? D'accord. Donc là, on devait arriver par là. Trop bien. L'énigme tout à l'heure, c'était quel est l'objet de torture que j'ai acheté. Vous n'avez toujours pas trouvé, hein. Bon, peut-être que vous n'avez pas trop envie de chercher, mais... Fin de phrase. Je finirai par du fromage de chèvre et un fondant au chocolat pour compenser. Très bon choix. Alors, quel est cet objet de torture incroyable que j'ai acheté ce week-end? Dans un accès de folie. Allô? Est-ce que ça vous dérange un peu de FPS? Vous ne seriez pas l'ancien camarade du boss Ray le Super Lapin? Bienvenue sur Joffle Street, je m'appelle Flingot. Bon, Ray le Super Lapin, mon boss m'a dit que les portes du gang des rats vous seraient toujours ouvertes, alors je vous en prie. T'aurais fait quoi sinon? J'aurais bien aimé voir. Les 3080 aiment pas le RTX. Bien sûr que non. Non mais si les 3080 aiment pas le RTX, y a rien qui aime le RTX. La 3090? Il faut que j'investisse dans une 3090, une 4090 même. Joffe Street. Demi-lune, pardon. Eps, tiens Pépèche. Comme les choses ont changé, Fonia a décidé d'ouvrir l'école d'arts martiaux à côté. Ça fait boum 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 toute la journée, demain je vais démolir la maison. Mais calme-toi, il est sous. J'ai croisé mon bois du passé, je crois que je mettrai la pâtée. Au bois du futur, on pourrait discuter. Bon mais d'accord, ok, il est bourré, t'es bourré mec, t'es bourré. Pas avoir été là pendant 6 ans, oui, d'accord. D'accord, il est en train de... Il parle de Pépèche. Pépèche, maintenant, je t'attends tous les soirs si seulement tu pouvais pousser cette porte et arriver en me chantant ta sérénade préférée. Pépèche, chante-moi une chose. Ok. Ok. Pavé César. Non mais vous parlez tous là, c'est ça? Apprends tes cuistots. Le Kung Fu des nouilles de Chuan. Quoi? Quoi? Le quoi? Le Kung Fu des nouilles du Chuan. Ah d'accord. Un bol pour le courage, deux pour la détermination, trois pour l'extermination. Une nouvelle tête? Le restaurant de Chuan a pris du galon. Je sais reconnaître les habitués. Je m'appelle Rong Jiu, apprenti cuistot dans un restaurant de nouilles. Le patron imagine de nouveaux assaisonnements et c'est gratuit. Entrez donc. Je le connais. Hey, it's Ray. Eh, hey, c'est Ray, entre donc t'asseoir pour discuter avec ton vieux copain Chuan. Tu avais un nouveau restaurant ici aussi. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ta boutique de la vieille ville. Urzo et moi... Bah, t'inquiète. C'est pas grave s'ils ont tout pété et brûlé à cause de vous. Parce que vous bidouillez des trucs. Encore jeunes tous les deux, mais quand vous aurez mon âge, vous vous rendrez compte que quoi qu'il arrive, les choses finissent toujours par s'arranger. Tant qu'on n'est pas décédé, quoi. La première fois que j'ai mis les pieds à Touch City, mes nouilles étaient toutes grumeleuses de... Quoi? Absolument, imagine. Il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
C'est pas moi qui parle, c'est lui qui dit des trucs comme ça là. Mets son lait dans ses nouilles. Mais... Il est dégueulasse. Absolument immangeable. Qui aurait cru que je finirais par ouvrir un restaurant sur Joffrey Street. C'est comme si... C'est comme qui dirait un mal pour un bien. Je l'ai pas fait aujourd'hui, les points se stackent trop là, j'ai bientôt 53. Mais ça stack jamais. Un nouveau stand de nouilles pour un nouveau départ. Il faut absolument que tu goûtes un bol de nouilles bien chaude, Ray. Ok, vas-y, mangeons. Vas-y. Vas-y, je confirme l'achat. Je m'en vais, je vais me prendre un coup de... Oh là là, qu'est-ce qu'il prépare? Putain, c'est trop bon. Vas-y, mange ça. Voilà, mais c'est un mec du kung-fu. Il fait vraiment du kung-fu des nouilles, quoi. Son Goku. Et alors? Des nouilles délicieuses et pas chères. Je croyais que c'était gratuit. Disais pas ça? Oh non, y a pas de chat. Des nouilles délicieuses et pas chères qui donnent envie de revenir. Mangez votre faim du côté de chez Chuan. C'est beau. Ah! Ça m'a mis. Ça va. Allô? Oh, c'est Chemist! Chemist! Mon cher Chemist, merci beaucoup pour ce raid. Je suis là! Je suis là! L'invasion de Chemist! Chemist le spécialiste! Ah, oh, c'est beau! Alors, c'est Kiro! Zegiru! Salut, Quinou! Coucou, Quinou! Coucou, Brian, just Brian! Non, moi, je crois très bien. Non, je dirais rien. Ça te plaît, ça, Léa, tu aimes bien, mais non, je l'acceptais pas celui-là. Merci beaucoup pour le follow, Quinou. C'est cool. Non, je ne me tairai pas. Je vous jure, c'est pas bien. Ah, ça te fait rire. Mais non, quand même, non. On accueille les gens, je fais pas de. Y a pas de stop dire des trucs quand on accueille les gens tout de même. Merci beaucoup, mon cher Kémis, comment ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Installez-vous bien, en tout cas. J'imagine que vous étiez en train d'essayer de battre tous les records sur. Attendez, je mets une petite pause. Attends, YouTube. C'est reparti, YouTube. En tout cas, merci beaucoup, Chemist, pour ce raid. Arigato. Par contre, le jeu rame du cul. Voilà. Sachez que le jeu rame du cul. Encore, mais tant de gens. Ah, c'est toi. Merci beaucoup. Merci, Brian. Juste Brian. Merci pour le follow. Incroyable. C'est fou. Aussi, ta prononciation, qui est pas correcte, c'est pas plutôt first. First. Arigato, comment ça? Arigato. Le jeu qui s'appelle Fist avec un lapin. Oui, bah oui. Bah, true story, bro. True story. Des bisous, Quintus. À plus tard. Prononciation. J'ai prononcé Sion. Oh, prononciation. Mon Dieu. Vraiment. Vraiment. Vraiment, Smi, Vivi. Merci, Wospin. Merci, Wospins. Je sais pas si on prononce le S de fin, mais je le propose. Merci beaucoup pour le follow. C'est gentil. Ah, c'est vous, le passe-partout est bien utile, non? Mais il ne sera pas gratuit cette fois. Ah, mais vas-y, file-le-moi. J'en veux plein. Oh, ouais. Je sais pas combien j'en ai d'ailleurs. Je préfère Soraka. Encore du League of LoL, là. Ah, bah, quoi? Presto. Comme ces balins, les fragments mystérieux dont parle le guide du chasseur de trésors seraient cachés dans Joff Street. Les rats ont bien choisi leur coin. Des fragments mystérieux? Ah, vous m'avez entendu? Il faut m'aider à retrouver ces fragments. J'ai affaire. Pas que c'est à foutre, quoi. Je vais vous dire un secret. D'après le guide du chasseur du trésor, les fragments mystérieux composeraient un objet fer enfermant un pouvoir datant de l'aube de la création. Quoi? Vous pourriez au moins me payer pour ce secret que je vous ai révélé? Bah oubliez, bah, c'est bon, vous avez l'air d'être un gars honnête. Et que dites-vous de ça? Si vous m'aidez à trouver les fragments, je partagerai l'héritage divin avec vous. Putain, déjà, on se fait des potes très vite. Salut vos spins. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour les follow. Et merci encore, Chemist. Mon Dieu, ça y est, ils sont partis sur les jeux de mots. Mais vous avez plus le droit de faire des jeux de mots à 2h du mat. Parce que je peux pas les comprendre. C'est trop compliqué, j'ai plus de cerveau. Vous avez fini de parler, j'ai affaire, c'est bon, allez, casse-toi, fous-moi la paix. Attends, j'ai une proposition sérieuse que vous ne pouvez pas refuser. Trouvez les 4 fragments et partageons le pouvoir des dieux.
Ok. Ok, ok. Bah, t'étais bien caché, toi. Hein. Un truc là-haut ? Non, c'est de la déco. Ah. Blockhead. Ok. Bah alors, t'es qui, toi ? Bonjour. Apt. Il s'appelle Apt, le mec, quand même. Tu n'arrives pas à dormir non plus. Je vais te jouer une chanson, alors. Oh la merde. Vous battez pas dans le chat. C'est la musique. Merci Serda. Ah merci Michel. Quel est le principe du jeu ? Alors, Waspin, nous sommes dans un Metroidvania. Je ne sais pas si tu connais les Metroidvania, du genre Hollow Knight, Ori, and truc machin, truc of the Wisp, Ori, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y en a tellement, il y en a beaucoup des... Voilà, tu connais les Metroidvania, et c'est un Metroidvania. Attends, juste, je finis là. J'ai lancé une conversation alors que je commence une phrase avec toi. Aumdak. Est-ce que c'est ça ? C'est un Metroidvania aussi ? C'est possible, hein, il y en a tellement... J'aime beaucoup ce style de jeu. Et là, on incarne un lapin, ou un lièvre, on ne sait pas trop, qui est normalement est dans une espèce d'énorme armure en exosquelette, mais là, il lui reste que le poing. Et son pote, l'ours, oui, oui, c'est un ours, qui bricole des trucs, lui a bricolé une espèce d'armure où il peut juste utiliser le poing. Du coup, quand il bouge, un peu comme dans Avatar, tu sais, les trucs d'Avatar, là. Les humains, ils sont dans des exosquelettes énormes, des armures, quoi. Et quand ils bougent un bras, il y a le bras de l'exosquelette qui bouge aussi en parallèle. L'univers a l'air très stylé. Il est très stylé, ouais. J'aime beaucoup. Il est vraiment sympa. C'est assez singulier. Et ouais, l'univers vient à lui. Après, c'est un univers un peu cyberpunk. Mais avec des animaux. Pour le coup, pourquoi pas. C'est plutôt joli, je trouve. Même si le RTX fait ramer un peu tout ça, mais je sais pas trop pourquoi. Mais il y a du ray tracing, j'essaie d'en mettre un peu, mais... Bref. Voilà, là, je sais pas trop... Après, je sais pas trop... Ori et un Willump, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Encore un truc de League of Legends ? J'entends te dire que tu avais fait du grabuge dans la prison des chiens d'acier. Oui, on s'est échappé de prison. On nous avait volé notre poing... Du coup, on a dû faire Splinter Cell pendant un moment. Et on a cassé la gueule à tout le monde et on s'est barré. Tu as vraiment vengé Maître Wu ? Oui. J'ai mangé, non. Fais chier. J'en peux plus. Je suis trop fatigué. J'ai mangé Maître Wu. Vêtre Mu. Allez, c'est parti. Je ne reviendrai pas sur le territoire du Gog des rats s'il n'y avait pas autant de monde. Un marchand. Ça aime l'argent, mon gars. Oh, un peu de respect. J'ai reçu de nouveaux articles. Fais ton choix. Ah, on peut acheter des trucs chez lui. Ok. Du genre. Ah, oh, un extrait de PV. Des graines. Un plan. Un méca lapin, je comprends rien. Un fragment mystérieux. Mais c'est pas ça qu'il cherche, l'autre, là ? Un vieux Dimsk. Combien j'ai 700. J'ai dodo, bonne soirée. Des bisous, Kémis. Merci beaucoup pour ton raid. Ça fait plaisir. Et je te souhaite en tout cas de passer deuxième, voire premier. Ce serait beau. Ça, c'est beau, ça. Petit dédicace. Allez voir Kémis, qui est vraiment très très cool. Et si vous aimez Sekiro, vous allez aimer. Et si vous aimez le speedrun, vous allez aimer aussi. Il y a beaucoup de speedrun et de Sekiro. J'ai... Oh oui. Le plaisir. Bah, le plaisir est partagé. Partagé. Bonne nuit à toi. Et des gros bisous. Au revoir. Au revoir. 3000 ? Mais qu'est-ce que c'est ça, hein, le méca lapin ? Qu'est-ce que c'est que c'est... Est-ce que ce serait pas... Combien ? Est-ce qu'on testerait pas ? Le stop du pauvre. Hein. Pauvre Léa. Ça va Léa ? En vrai ? Confirmer achat. Allez, je t'achète ça, je sais pas ce que c'est, mais je l'achète. Un méca lapin obtenu. Ah, mais c'est pas un... Thank you for your business. C'est ma facture, ça ?
Super. Attendez, j'ai envie d'aller voir Ray. Non, comment il s'appelle, machin truc là. Mon pote. C'est à cause du ban de Serdat tout à l'heure, j'ai vrillé. C'était donc ça. Ah, taisez-vous. Non, c'est là-haut. Voilà. Eh ben non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai débloqué alors? Peut-être ici? Une nouvelle compétence peut-être? C'est pas ça? Ça je l'ai déjà. Putain, mais qu'est-ce que j'ai débloqué? Au secours! Baisez-vous! Non, mais pas vous! Bien sûr que non. Je peux pas aller là. Y'a quoi ici? Oh, quoi? Ah, je peux l'ouvrir avec un passe-partout. Quoi, c'est tout? Ah, un disque dur. Ça, c'est bien. Du pognon et un disque dur. Si, si, c'est pas mal en vrai. Ok. Ray! Salut Ray, tu as réussi à survivre Zoo, grâce à toi l'organisation m'a fait venir à Joe Street et m'a nommé cartographe en chef. Incroyable. Les cartes ont l'air de t'intéresser plus que tout le reste. Tu t'intéresses à rien du tout? Le viewer il nous dit de nous taire. De quoi? Ok. Le streamer. Oh là, c'est compliqué de vous... Et déjà que mon cerveau est en train de se liquéfier à l'intérieur de ma tête. Si vous... la faute à Serda. Tout est la faute à Serda. Demain, tu vas pas te réveiller, le réveil va pas sonner, c'est la faute à Serda. Putain, j'ai plus de café. Serda. Les cartes ont l'air t'intéresser plus que tout le reste. Rien de déjà après. C'est parce que j'ai plein de cartes dans mon dos et que j'en ai mis partout sur le mur. Personne ne sait jusqu'où s'étend Torch City. Elle dissimule de nombreux chemins. De traverse, l'organisation m'a confié un projet incroyable. Aucun faunien n'ose s'aventurer du côté de la zone d'occupation des chiens d'acier, mais si tu pouvais, Ray. Ah ben voilà, Mais ça va pas, oui. Vous allez vous calmer, ouais. Ah pourquoi vous allez tous vous y mettre à dire que c'est la faute de Serda? Putain, il va avoir les oreilles qui sifflent. Déjà qu'il n'arrive pas à dormir, le pauvre. Bon allez, j'y vais, hein. Salut, bisous. Hein. C'est super, Ray. Tu sers à quoi? Partager l'IMC. L'ICM, parce que l'IMC, c'est pas la même chose. Moi, je vois que tu visites un nouvel endroit, viens me voir que je l'étudie. Aucun CD disponible. Ah oui, on pouvait en acheter. Bon, j'imagine que le rose, ça veut dire c'est une zone de tranquillitisme. Ah, dommage. On va où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon alors? Oh, c'est Pimping. Oh, ils m'ont battu. C'est rare de Joffre qui m'a encore piégé. Putain, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Arrête de chialer. Wow, c'est vous qui m'avez libéré de la prison. Vous êtes mon héros. Et j'ai un secret. Il reste encore plein de graines rares dans la torchère. Je voulais pas que la Légion m'attrape, alors j'ai payé le gog des rats pour qu'il m'aide à les trouver. Mais Buzz m'a donné des fausses graines et m'a piqué mes sous. Oh, le bâtard. Ressemble à quoi, ces graines? Je vais t'aider à les retrouver. Vraiment? Vraiment, oui, vraiment. Oh, c'est trop génial, regardez. Elle ressemble à la graine qu'il y a dans ce pot. Ah, je vois. Serda qui a embêté Pump. C'est la faute de Serda. Oh, merci. Mais c'est pas Hayton qui parle. Quoi. Vous avez une nouvelle graine? Vous sentez la verdure? Oui, tiens, je te donne la graine. Ah, ça c'est de la graine. Oh. Mais c'est pas celle que je t'ai pris en prison? Oh, vous êtes génial. Il est plein de tunas. C'est les subs. C'est les subs dans Hollow Knight. La graine. Je sais pas combien il m'a filé, mais...
on reviendra. Tout plein de moulaga. La moulaga de l'infini. La musique. La musique. C'est... On a tout vu là. Ah non, attends, il y a un truc là-haut. Mais c'est quoi? C'est des marchands, ça? Je possède des thunes. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. ouais, j'ai la ref, si. Excellente ref. Il est con, lui. Hein. J'aime beaucoup. Je comprends pas, là. La map par rapport aux couleurs. Je pense que ça, c'est le rose. Je sais pas ce que c'est. Bah oui, bah oui. Des fois, j'en mets des... j'en mets des... Les matins, une ou deux fois, j'ai mis quelques vidéos de Costello. Costello c'est... Non, je sais plus comment c'est. Et vous trouvez pas que l'immeuble du Gog des Rats est impressionnant? C'est moi qui l'ai conçu, vous savez, pour remercier le boss de m'avoir sauvé la vie. David Costello, Lopez. Qu'est-ce qui lui arrive? La bombe a été désamorcée. Bravo. Ah, dommage. Ça y est, c'est parti. Ah bah oui, pour moi c'est le boss de m'avoir sauvé la vie. J'en ai fait le meuble plus luxueux de Torchit. C'est beau. Il est peut-être pas aussi haut que la torchère, mais il renferme aussi de nombreux secrets. J'aimerais bien bâtir un immeuble aussi haut que la torchère un jour. Je suis très content pour toi, Michel. Oh ben ça c'est... Ah c'est Bob. Vous rappelez-vous de cet épisode? Bientôt Cerda. Mets-toi en radio dodo peut-être. Les 4 et patrouilles de la journée terminée, relaciée sur Joe Street. Ah c'est pas le duc. Ah bizarre, ça fait plusieurs jours que le boss est pas passé. Ah, duc passe vérifier votre train de travail lui-même? Évidemment. On est responsable de la sécurité de Joe Street. Le boss va être au courant de tout ce qui se passe dans le coin, dès que ça arrive. Peut-être qu'il a l'air sympa en vrai. Attendez, je vous ai bien entendu parler de Duke. Vous les fauniens qui se cachent sur Joe Street doivent l'appeler le Duc, ok? J'adore le boss. Non seulement il contrôle le réseau d'information de la ville, mais en plus c'est grâce à lui que Joe Street est une zone sûre. Il perd un jour avoir la chance de devenir son bras droit comme Buzz. Très bien. Formidable. Bon, je vais essayer de redodo. Je vous laisse avec les Léa, bon courage. En plus, j'ai un stream juste après qui... Ah, c'est beau. On saura qui raid. Hein. Tout ça pour gratter le raid, là, Kiro. En fait, t'es là depuis depuis ces heures et ces heures de stream que t'as passé ici, juste pour pouvoir avoir ce raid-là, c'est ça? C'est sûr. Ouais, mais j'ai compris. Scud. Wow, la vie est vraiment pas être cool si tu passes. Ouais, t'as tout planifié, j'en étais sûr. Mais je t'ai eu. Vu. La vie doit vraiment être cool si tu passes ton temps à flémarder. Le bonheur est de vivre à 100 à l'heure. Quand j'étais gamin, toute la rue mangeait dans la même marmite à chaque repas. Mes copains et moi, on faisait des concours et c'est toujours moi qui arrivais à manger le plus. Même si je commençais en dernier. En grandissant, on s'est mis à faire le mélange à l'usine. Le ménage, putain, le mélange, super. On avait parié sur celui qui arriverait à nettoyer 6 étages. J'étais le champion de Torch City pendant 8 années consécutives. Quand j'ai rejoint le gang des rats, le boss m'a confié les repas de tout le gang et la description de courrier. J'étais un rafacteur tout à l'heure, toujours à l'heure. Pas l'argent. Ça me dégoûte tout ce pognon. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on me complimente, qu'on me flatte la croupe. Incroyable. Waouh. Qu'il est con. Ah là là, c'est parti. Putain. La surprise. Merci Akiro, merci pour le raid. C'est ça que t'avais planifié en fait depuis tout ce temps. Voilà. Là, c'est bon. Bravo. Incroyable, merci pour la dédicace. J'en peux plus ce mec. Des bisous Cerda. Des gros bisous. J'espère que le raid de Cerda d'Akiro ne t'a pas réveillé. La vie, c'est fait pour foncer à 100 à l'heure. Ok, Michel. Merci.
C'est pas votre petit... votre petit truc là. Ah, on peut aller là direct? Ok. J'ai l'impression que le rose c'est les zones en fait. Je pensais que ça voulait dire que c'était safe, mais peut-être pas. Où est-ce qu'on va là? C'est stylé quand même les petits... Putain, mais les ralentissements moins. Est-ce qu'il faut... Est-ce que je peux changer un truc là ici? Je crois que je peux pas changer le ray tracing et tout ça. Après tout est un petit peu à donf quoi. Hein. Ça change quelque chose? Ah peut-être. Ah ce serait pas mal ça. Ah en vrai s'il peut y avoir... Ah non. Ah ça se le fait peut-être un peu moins. Ah. Check. Qui êtes-vous? Ne restez pas là. Vous dirigez droit vers le passage le mieux gardé de Tall City. Par toi? C'est toi qui le gardes? Personne ne passe sans l'accord du duc. Pourtant, on dirait un simple tunnel minier. Vous croyez tout savoir? Plus un endroit a l'air banal, plus il renferme un gros secret. T'es pas censé le dire, ça, mec. C'est normal, Akiro. Ah, d'ailleurs, pardon, excuse-moi, merci pour le raid. Installe-toi bien convenable. Et toi bien. Personne n'a le droit de venir aussi près sans permission du boss. Reculez si vous n'avez pas l'accord du duc. Ah, j'ai monté la garde. On se sacherait pendant des années sans faillir. Ah merde. Non mais vraiment? Pff. Ok. Pff. Bon, t'étais sur quel jeu là? Tu faisais... Pff. Tu sais quoi, mais... Défonce-le. Pas résoudre tous les problèmes comme ça. C'est mes Vivi. Troupa. Montons. Hein? Ok. Je peux pas attaquer, hein. Je peux rien faire en fait là. C'est le bureau du boss. Ah mais t'es là. This is something new. Called coffee. C'est une nouvelle boisson. Qui s'appelle café. Tu veux goûter? Ah oui, j'aurais bien pris un petit café en vrai. Bon, mais c'est un peu tard déjà. How much do you know? Dis-moi ce que tu sais sur Cicerone. Ce que je t'ai dit jusqu'ici était gratuit. Ah non, pardon, c'est vrai que sa voix, c'est... Pardon, Alors, je faisais une tier list des joueurs de foot, mais vu que c'était compliqué, parce que j'y connais que de... Mais tu vois, qui... Moi, je crois qu'il faut que vous... J'en étais sûr. Oui, c'est vrai que c'est simple, c'est direct, c'est efficace. Bam. Le tweet jutsu. J'abuse beaucoup trop de cet effet, mais je l'aime beaucoup trop. Ça s'appelle du tweet jutsu, ce que je viens de faire, hein, si vous ne connaissiez pas. Ce que je dis ici, c'est gratuit, maintenant c'est différent. Bah c'est bon, on est potes. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Oui! Oui! Oh! Oh! Oui! Ah, vous êtes impressionné, oui, hein. Oui, oui. C'est normal. Ça fait ça à chaque fois. Tu veux qu'on passe marché, toi et moi? Je veux qu'on passe marché. C'est vrai, on prépare une attaque qui va changer à jamais Torch City. Si réussi, les fauniens vont disparaître. What? Quoi? Quoi? Le marché, c'est que toi et moi, on travaille ensemble pour découvrir tous les détails de son plan. Ensuite, on pourra mettre fin à la conspiration de la Légion. T'es de mèche avec la Légion depuis des années. Pourquoi retourner soudainement ta veste? Parce que je n'ai jamais été vraiment... Je suis Fantomas. Bon, ouais, non, ça marche pas. Je l'ai déjà dit, le monde est gris. Le gang des rats n'arrive peut-être pas à la cheville d'un héros tel que toi, mais... Nous ne sommes pas stupides. La Légion a dépassé les bornes. On n'a pas respecté les règles du jeu, je n'ai pas d'autre choix, si... Je te fais confiance pour le moment. Je suis un homme d'affaires. Ce n'est pas à moi que tu dois faire confiance, mais à l'argent, non, à l'échelle de l'intérêt personnel. L'arsenal et les égouts renferment chacun des informations. Ces deux lieux sont extrêmement dangereux. Je vais envoyer mes frères du gang des rats en éclaireur. C'est bon, c'est bon. Faire tout ça tout seul, je suis un loup solitaire. Dude, tu n'as pas intérêt à me la faire à l'envers, Duke. Oh, ça non. Ouais, je pense sur ton bureau, moi. Ah, putain, ça pique les yeux.
Ok, un nouvel objectif. Où voulez-vous que j'aille? Si loin? Mais d'où si loin? Ah ouais. Je peux me TP, c'est ça? Allez à l'arsenal et aux égouts pour découvrir ce que prépare Cicéron. Ok. J'adore l'aspect des personnages, ça me fait penser un peu à Beats. Ah, ça me dit quelque chose. C'est quoi? C'est un jeu? Hein. Pourquoi il y a un... petit enfoncement là. On peut aller là-haut? Ah, peut-être. Non. Ouais. Oh. Ouais, moi aussi, je trouve que en tout cas, les persos sont assez stylés. Ok. Regarde, je sais ta... je sais ta technique. Mais... On peut pas la réveiller. Damn. On peut monter là, je suis sûr aussi. Bien sûr. Ça sert à rien. Oh non, là vous auriez pu. On a un beau panorama, certes, mais. Mais ouais, j'ai l'impression que ça rame un tout petit peu moins. C'est un manga où les personnages sont des animaux et la base de l'histoire, c'est un loup qui tombe amoureux d'un lapin et un cerf qui devient chef du gang des carnivores. Ça me dit quelque chose en vrai. Ok, merci Smivy. Il fait la guitare? T'arrives pas à dormir non plus? Il fait de la... Bah, c'est toujours la même chanson, mec. Par contre, il l'a fait bien, quoi. C'est sûr que là... Interagir, qu'est-ce qui... La rive des eaux usées. La baie au trésor. Le magasin est temporairement fermé. Attendant mon triomphe. D'accord. Ce gamin flippe. Où va-t-il encore traîner? Ok. Et du coup, on peut en prendre plusieurs? My noodles are famous in Torch City. Tu veux un bol? Ah, mais je peux en rajouter un? Non, attends. Non, mais vas-y, pas à chaque fois, on s'en fout. Donc là, est-ce que j'ai deux cœurs bleus? Ray. Ah, félicitations Ray, avec tous les bols de nouilles que tu as mangés ici, tu es désormais un client VIP. Du côté de Sichuan, voici ta récompense de fidélité. Nice. Je ne pensais à un nouvel assaisonnement, tu pourrais essayer les nouilles réservées aux membres la prochaine fois. Ben, vas-y. Prochain assaisonnement de nouilles sera composé d'un nouveau bouillon et d'une nouvelle sauce. Je vais fermer le restaurant le temps de faire des expérimentations. Reviens plus tard. Ah d'accord, ok. Donc toi, tu as une nouvelle sauce, tu fermes tout. C'est bon, moi j'ai trouvé un nouveau plugin. Je reviens dans un mois et demi. Ok. Ok. Ah, Maître Wu. Tu as réussi à sauver les Fauniens de la prison. Ah non, on avait fait une voix de vieux. Tu as réussi... Attends, c'est comment la voix de vieux? j'arrive plus à faire le vieux. Arrête de japonaiser Iki. Je fais ce que je veux. Tu as réussi à sauver les Fauniens de la prison à toi tout seul et que tu t'en sors indemne. Tu m'impressionnes vraiment. Je savais que tu ne me décevrais pas. It was nothing, Master Wu. Oh, c'était rien, Maître Wu. How is your injury, Master Wu? Comment votre blessure, Maître Wu? Things are relatively peaceful here. La vie est relativement calme sur Jove Street. Ma blessure se remet doucement, ne t'inquiète pas. Ça prendra encore un peu de temps. J'ai des machines et quelques pantins si tu veux t'entraîner. Passe me voir dès que tu as le temps. D'accord. Entraînement. C'est en forgeant qu'on devient fort de gens, je bats. Entraîne-toi avec assiduité pour parvenir à effectuer les mouvements spéciaux. Tu veux t'entraîner maintenant, Ray? Bah oui, vas-y. La base, le foreur, le point. Non, vas-y, je me casse. J'ai pas envie. On n'a pas le temps de niaiser là. Faut aller plus haut? Toujours plus haut? Non, on s'en fout. Toujours plus de vie.
D'accord, donc on peut aller dans les égouts, mais je crois que c'est... Non, c'est pas accessible. Pourquoi on a ça là, ouvert là? Je crois qu'il faut se TP en fait. On va se re-TP. On va se Vlad TP. Ça rame toujours, hein, mais beaucoup moins. On a passé les ennemis là? Il y avait des ennemis? Non mais foutez-moi tranquille. J'ai pas envie. C'est où la TP? C'était là-haut. Mais d'où? D'où dis donc là? Barre-toi. Arrête maintenant. Ah! Il est où? Non mais dis donc. Ah! Il m'a bien eu, j'avoue. Allez, au revoir. Ah, j'avais pas vu que j'avais trois jauges maintenant là-bas en bas à gauche. Trop bien. Par contre, j'ai perdu mon cœur bleu. Bon, c'est pas grave. Pour rien en plus, puisque... Bon, les cœurs bleus, c'est surfait. Ça peut sauver un homme, hein. D'accord, mais... Ah, mais c'était par là. Putain, j'avais oublié. D'accord, c'est ça. Et ouais. Je suis pas allé là, moi. Et on tombe où là? Ah oui, d'accord. Ok. Téléportons-nous. Ah, on peut aller à la centrale électrique et les bus océaniques. Tu veux voir? On atterrit où là? J'aime bien. Les lames rotatives du foie infligent des dégâts en planant. Ah! Détruisez les plaques rouges avec points. Stylé. Donc où sommes-nous? Donc on atterrit ici. Ok. Ah, on pourrait aller là. Ah. D'ailleurs, on n'a pas fait ça. Pourquoi il n'y a rien là? Ah oui, parce qu'il y a une porte. Ok, tout va bien. Ici, on peut pas y aller. Ici, quand même, on avait bien fait le tour. Hein. En vrai. Hein. La vérité, on avait fait quand même bien le tour. Par là. Bizarre d'ailleurs. Non mais en vrai j'ai pas envie. C'est vrai qu'après il nous donne vraiment beaucoup de thunes. Hein. Mais bon, on va quand même essayer d'avancer un peu dans l'histoire quand même. Parce que moi c'est le genre de jeu, quand je suis tout seul, ça ne me dérange pas de faire des allers-retours juste pour un machin à découvrir sur la map. Mais j'essaie de vous épargner quand même. Le stroll around. Un petit peu quoi. Ah, et pile poil. Ah oui, c'est vrai qu'on était déjà allé là. Non, c'est pas là que je sais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un compétence. Mais je crois que j'ai dépensé quand même pas mal de thunes. Ah, j'ai 700 quand même. Ah oui, sachant que je peux débloquer des trucs. Après, j'ai bien envie de débloquer le point, surtout parce que... Avec ça, C'est quoi, ça? Ah, j'en ai deux, j'ai deux ordinateurs là, deux trucs, deux PC, je peux débloquer deux trucs. Comment c'est? Ah, ça utilise des PC. Un truc qui n'utilise pas des PC. Bam! Paf paf, paf 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 paf. D'accord, vas-y, je vais débloquer ça. Et ça c'est quoi? Argent insuffisant, merde, j'ai pas assez. Ouais, c'est pas mal. Ça c'était quoi? Bon, ça j'ai assez. Appuyez sur X, puis Y rapidement pour sauter. Ah! Mais ça a l'air sympa ça. Et comme ça j'ai... Ah oui, il y a une espèce d'Hadouken. J'ai trop dépensé pour les nouilles. Ah. Quoi?
Ah. Bon, alors je peux aller dans les égouts, c'est ça? Oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Boston. Bonsoir Monsieur Users. Merci beaucoup pour le raid. Attendez, je suis... je dépasse à peine. Merci Boston, merci. J'imagine que c'est toi qui as suggéré de venir finir la soirée ici. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Bienvenue Users. Bienvenue. Merci beaucoup à Mr. Nocif de la puissance divine de la Users Family. C'est beau ça. Ça, c'est le message de raid. Je reconnais un message de raid quand il arrive. C'est beau. Merci Sean. Merci beaucoup. Et bienvenue à vous. Ah, c'est beau, c'est beau. Il a l'air cool, ce petit jeu indé. Il est très, très cool. Il est très, très cool. Il s'appelle donc Fist. Forge in Shadow Torch. Vraiment très sympa. Très joli. Un petit Metroidvania. Ce qu'il y a de plus extraordinaire. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil. Bienvenue à vous. Installez-vous. Que faisiez-vous de beau? Attendez, on peut faire un petit SO là. Un petit SO s'il vous plaît. C'est moi qui vois pas. Le petit SO. Hop là. Bah oui. Mais non mais... J'y ai arrivé. Ah merci. Que faisiez-vous de vous? Ah, vous étiez sur Sonic Frontiers. Je ne l'ai pas fait ça du coup. Je ne l'ai jamais, j'ai jamais joué. Ouais. Avec plaisir, c'est normal. Mais comme ça, ça me permet de voir aussi à quoi tu jouais. Et ça c'est beau. À quoi vous étiez en train de jouer. Ah alors du coup ça donne quoi ce petit Sonic Frontiers? Ah les infos. Les infos de l'Est. Est-ce que ça... Il y a plus Serda. Et non, il y a plus Serda, c'est Monsieur SO. Serda, c'est Monsieur SO. C'est notre mode SO. Il fait pas que ça, mais entre autres. Dis donc, on est gâtés ce soir, c'est cool. Ça fait plaisir, merci. Ça rattrape un petit peu les crashs d'OBS, c'est beau. Très bien, mais pas populaire. Mais j'aime bien. C'est vrai qu'il a eu... là, c'est un SO bien fait. Arrête, le pauvre. Il le fait si bien. Et si vite aussi, surtout. Dispo vocal, Boston? Bien sûr. Je sais pas, Boston est toujours dispo. Hein. Pourquoi, pourquoi il dit ça? Mais tu t'es trompé de commande et qui... Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Ah mais ça c'est une dédicace, c'est ça? Ça c'est une dédicace. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Petite erreur de commande. Mais pourquoi j'ai fait quoi? Mais non, pourtant c'est ça. Mais c'est pas ça? C'est-à-dire? C'est une nouvelle commande de Twitch. Je suis dans mon lit, dude. On se capte plus tard, hein, c'est beau. On va tout savoir. Le trousseau de la prison, ça c'est bon. On le lira plus tard. C'est quoi ça? Quelle est donc cette diablerie? Appuyez sur B avec le poing. Oh. Ok. Ok. Mais bon, je veux bien l'attraper, mais... Je ne peux pas l'attraper. D'accord, on peut absolument rien faire ici. Terrible. C'est ça pour ça? Vraiment? Bon bah on va passer par là alors. Hey super lapin, le boss dit que tu peux utiliser le métro à ta guise. La gare Buse Océanique est ouverte, n'hésite pas à y faire un tour. Bah vas-y. Prendre le métro. Ah on peut se déplacer de cette manière? Attends, j'ai pas fini. C'est beau ça, c'est beau ça. Ça c'est l'amour du stream. Où est l'arsenal? Pour atteindre l'arsenal, il faut aller à droite. D'accord, où sont les égouts? Pour aller dans les égouts, il faut prendre le métro. D'accord, ok. Alors je vais prendre le métro.
Let's go. Let's go. Ouais, du coup, Sonic Frontier... Mais c'est marrant parce que j'en ai entendu plutôt du... Enfin... Alors, j'en ai entendu plutôt du moyen, on va dire. Et pourtant, quand j'ai vu des streams un petit peu de qui étaient dessus, ils étaient plutôt contents. Globalement. Mais c'est vrai que je les ai pas forcément vus y retourner. Est-ce que c'est de ce côté ou de l'autre? Nous sommes fichus. L'eau est déjà bien trop haute. Ah merde. Ah oui, pour un truc électrique, c'est pas GG quoi. Eh lapin, la vraie te le dire, mais on peut pas passer par là. Je dois me rendre aux égouts. Vous connaissez notre chemin? Il va falloir que tu te rendes un peu plus bas sur la gauche pour voir ce qui coince la valve du barrage. D'accord. J'ai l'impression que la suite c'est plutôt par là, on va aller à droite. Évidemment qu'on va à droite. On va taper des lapins. On va taper des cochons. Des petites tirières là. Paf. Il a rien demandé lui. Je lui casse quand même la tête. Où est-ce qu'on va? Ok. Ah, il peut nager. Oh, ah mais ça y est, c'est nouveau. Ah, j'en étais sûr. Trop bien. Après, Ah, on a pris. Ok, d'accord. Oh, mais trop bien. Vraiment, le jeu est vraiment. Il y a vraiment de très très bonnes idées. Hein. Activé. Oula 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 oula. Ok. Mais il y a des fois... ça rame du huc. Terrible. Perso Sonic, j'ai jamais été un personnage qui me branche. J'ai joué à l'un des premiers. J'étais pas fan. Mais celui-ci a développé une dynamique de jeu qui, waouh, ça en envoie plein les yeux et le gameplay est franchement sympathique. J'hésite à le prendre du coup à un moment donné. Et ben c'est plutôt ce que j'avais entendu, ouais. Du genre, bon, c'est pas non plus la révolution Sonic, mais finalement c'est pas si mal que ça, et manette en main, il y a moyen d'avoir vraiment cet effet de vitesse et tout, ce qui est pas évident hein, à choper pour un jeu en 3D. Donc ça, je viens de l'ouvrir. Centrale électrique, je sais pas ce que je fous là, je sais pas si j'étais censé aller là, mais je suis là en tout cas. Quel génie. Ah mais j'étais pas déjà venu ici? Ah si, j'étais déjà venu ici. Incroyable. Attends. Non, peut-être pas en fait. Ça ressemble peut-être à un endroit où... Ah, et là j'ouvre... un chemin. Au secours. J'ai envie de l'essayer du coup. Il y a de quoi perdre le fil conducteur avec les yeux des fois tellement ça va vite. Ouais, ça avait l'air, hein. Ça avait l'air d'être un peu un truc comme ça. Je sais pas où je vais là. Je crois que je vais mettre en spécial Metroidvania. On a débloqué un nouveau chemin. Un raccourci quoi. From Software l'a fait aussi. Je vais regarder Users. Ah d'accord, ok. C'est beau. Ah ah. Ok, on atterrit là. Tout est lié. Sauf que on s'en balèque. On s'en balèque total. Parce que, en tout cas pour l'instant, ça, on s'en fout. J'ai trop de jeux à finir, comme je te comprends, Sean.
Le problème, c'est que moi, j'ai envie de... Alors déjà, j'ai plein de jeux que j'ai envie... auxquels j'ai envie de jouer. Déjà, celui-là, il est pas tout jeune. Il est sorti en 2021, je crois. Mais j'ai envie de faire un Metroidvania. Et sachez en tout cas que, je le dis à chaque stream, mais c'est pas grave, si le jeu vous intrigue au moins, voire vous plaît, sachez qu'il a été offert sur Epic. Donc si vous êtes assidu des cadeaux Epic, il est possible que... Il est possible que vous l'ayez déjà. Ok. Sûrement savoir. Ah, d'accord, ok, on est ici. Mais du coup, à quoi ça sert? Quoi ça sert d'art? On peut aller plus loin? Ah, il y avait un truc par terre. Oh là là, il y avait un disque dur. Juste un disque dur. Mais du coup... Du coup, ça sert à quoi? Donc, on pouvait partir là. Ok, c'est vraiment juste pour relier les zones, quoi. C'est vraiment de gauche à droite, il n'y a pas d'autre direction. Non, c'est un jeu en... C'est un platformer, quoi. Aïe, merde. Je l'avais pas vu. Alors, par contre, tu peux... Voilà, merci. Je vais me soigner un coup. Tu parles du jeu, Sean? Ouais, ouais, le jeu est foutu comme ça en fait. C'est vraiment un plateforme. Je sais pas si tu connais Hollow Knight, mais c'est le même style, ouais. Gare centrale. Je ne me battrai pas contre toi, mec. Tu n'es pas à la hauteur. Oh non. Bon, toi, si tu insistes. J'adore. Je l'ai sur Epic ce jeu aussi. Et bah parfait. Si t'as envie de le tester, en tout cas tu peux. Mais vraiment, je te le conseille. Enfin, après faut aimer ce style de jeu, mais... C'est l'heure de dormir, des bisous. Merci Marie, en tout cas, merci d'être passé. C'est très cool. Et à bientôt, si le cœur t'en dit. Tu es la bienvenue. Of course. Ah, attendez. Je pouvais aller vers le bas. Story? Trop story? Ah bah oui, je suis pas allé là. Quoi? Je compte un jour faire plusieurs jeux d'Epic, mais j'en ai beaucoup trop, bah oui, mais en même temps, déjà toutes les semaines, mais en plus, ah, pour le coup une réparation c'est intéressant. Hogwarts Legacy, ouais. C'est vrai qu'il fait, il donne envie quand même, hein. Il donne envie de tester. Il donne envie de tester les trucs. J'avoue. Est-ce qu'on peut aller dans... Ah non, on marche, d'accord. On est en mode en marche. Là aussi, on peut aller sous l'eau. Oh! Marc. Mort, s'il ne peut pas ouvrir les portes du barrage rapidement, les égouts vont empiéter sur le métro et les rames vont devenir sous-marins. Ah, dommage. Comment faire pour la réparer? Oh, c'est Pépé qui t'envoie. La valve a disparu. Et c'est mon petit frère Luc qui a toutes les pièces de rechange. Je suis le tuyau à gauche pour le trouver. Tu dois monter la garde ici. Et je dois monter la garde ici. Bah, je vais aller voir, ok. Attention à toi en descendant là-bas. Prends à gauche et ferme la porte du barrage. Les courants sont tellement forts qu'ils t'emmèneront droit vers l'océan. Ah, ça c'est un peu con quand même. Maintenant, je suis team Serre d'Aigle. Un lame pouf-souffle. Et j'ai chez une baguette de mange mort. T'as du mal à te décider, c'est ça? Et Gryffondor, on s'en fout? Moi, bah, je vois le genre. Et Dumbledore, c'est l'abruti, c'est ça? Ouais, je vois. Je finis un jeu et je l'achète. J'en achète. 3. Ah bah oui, tu connais toi aussi ça. Je suis désolé. Addiction, quoi. Après, moi, je me dis, moi, mais c'est pour le travail. Ce qui est vrai. Ah. Est-ce que je prends le risque?
Appuyez sur X ou Y pour attaquer sous l'eau. Fais voir. Et je peux remonter ou pas? Ah, mais je peux remonter. Ah oui, d'accord. On respire. Ah ouais, ouais. Aïe. T'es doux? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs? Non. Youhou! Oh, c'est quoi ça? J'ai récupéré? Bon, je sais pas ce que c'était, mais j'ai récupéré. Ah oui, d'accord. Faut que je vise. Non, je sais pas viser. Si, c'est bon. Ah, ça marche pas? Ah non, j'ai pas le point. Il me défonce. C'est un mob. Mais... C'est un mini-mob. Tu permets que je me soigne? Merci. Ah mais c'est un mob quoi. Un mini-mob. J'ai aussi ma PS5. J'en ai enfin trouvé une. Merci beaucoup Mokama. Merci beaucoup Mokama. Oh là là. Je crie pas trop parce que... Il est déjà 2h49. C'est terrible. Merci Mokama, merci. Merci. Bientôt un an ensemble, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et oui, c'est vrai, ça arrive. Hein. Ça arrive bientôt les un an de sub. Là. C'est fou. J'ai un grand fan de Final Fantasy, donc je suis le pigeon qui achète les consoles juste pour les Final Fantasy à la base. Ne me jugez pas. Surtout... Ne m'en voulez pas. Enfin, moi, c'est plutôt ça ma phrase, mais bon. Merci Mokama, merci. Hein. Merci beaucoup. T'es encore en train de travailler, toi? Eh bien, on est toujours là. Toujours debout. Mais c'est cool, en tout cas, si t'en as trouvé une. Il y a un jeu dans le pack que je voulais jouer aussi. Forspoken. Ah! Ben, en tout cas, bravo d'avoir trouvé une PS5. En quoi que maintenant, c'est un petit peu moins compliqué qu'à une certaine autre époque, mais quand même. GG. GG. Ouais, sortez les griffes, ouais. Y'a quoi ici? Attends, on pouvait peut-être... Pas aller là? J'ai plus d'air? J'ai plus d'air! Le cirque, plus d'air. Là, je me fais défoncer. Bon, pas comme ça, Zinedine. Ah non, à 4 cm de l'eau. Ça c'est dur. Je la voulais surtout car Final Fantasy XVI s'approche dangereusement, ouais, c'est sûr. Oh non, non, non. Oh non, on va tous retaper là, on va pas tous retaper. Si, on va tous retaper. Et Myrthe. Surtout... Ne m'en voulez pas. Alors que ça se passait si bien. Ouais. Ah ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme... Vous avez plaisir, c'est... Va voir mon frère. J'ai un vendeur de leur magasin au téléphone en PLS. De quoi? Mais... Oh les boules, j'espère que ton colis ne sera pas perdu. Ah ben non! Ça me rappelle Scorn. Attendez, je recommence pas depuis là. Oh, le mauvais souvenir. Oh, le mauvais souvenir. Y'a quoi ici? Ah bah oui, c'est le fameux... Oh, ben non. Ah, sinon, on va voir ce qu'il y a là-bas. Vous avez vu, finalement, on refait pas. En face, y'a quoi? Ah non, merde. Il y avait une... Yeah.
Raté. Ok. C'est juste ça. Mais ça marche. Ok. Je pouvais livrer chez moi dans un magasin à eux ou à un point relais genre poste. Leur magasin, ma région, il y a 2-3, ne pratique pas ce service. Je choisis un lieu de poste pour livrer, mais le destinataire a déménagé. Quoi ? Puis ils vont le livrer chez moi, et si je suis pas là, le colis ira où ? Devinez, la poste. Il a de la chance qu'il était gentil. Je l'aurais mangé tout cru. Putain, oui, c'est chaud. En plus, quand c'est une PS5, quoi, que tu attends depuis... comme le Messi depuis longtemps, sûrement. Quoi ? Y'a rien ? Non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Faut quand même que j'aille dans le tuyau. Mais là, c'est un pack PS5 avec la manette, plus un abonnement au PS Plus et 3 jeux, quoi. Oh, dis donc, t'as dû... tu l'as acheté sur Micromania ? C'est pas indiscret ? Ah bah ouais, peut-être sans plus, oui. Bah oui, c'est minimum, ouais. MediaMark ? Ah ! Mais MediaMark, c'est pas suisse ? C'est la Suisse, non ? C'est bon. Tu le sais pas, mais tu es déjà mort. Ok, ça c'est fait. Déjà, il nous a pas pourri, lui. Un PC, c'est mieux. Je sais pas, tu peux avoir les deux aussi. Moi, je suis content d'avoir la PS5, en vrai. Il y a des jeux cool. Ils ont mis des pièges partout, quoi. Où peut-on aller ? Ah, on peut avoir de l'air ici. Dommage. Si j'avais su. Ah, d'accord, ok. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Je suis pas patient pour Final Fantasy. C'est que ces conneries. Les pièges, ok. Quoi ? Et comment je fais pour éviter ça ? Par là. C'est stylé, hein. D'où vous tombez ? Ah non, mais en plus il me tape à travers, quoi. Alors, c'est moi ou c'est pas moi ? Ah, une petite sauvegarde. Très bien. J'ai précommandé Hogwarts Legacy sur PS4, reporté en avril. Et j'ai attendu. Non, je l'ai pris sur PC. Ah, vraiment ? Mais t'as pu annuler ta précommande, non ? Non, non, c'est bon. Comment ça, y'a pas FF6 sur le PC ? Je vais faire un PC, mais quand je vois le prix, c'est chaud vu que les consoles deviennent de plus en plus chères. À chaque fois, faut acheter une nouvelle génération. En fait, ça dépend ce que tu veux faire aussi, mais... Même si on enlève ça, ça va tout péter ailleurs, non ? Au secours ? Ah oui, ok. Ah, c'est tout ? Je crois qu'il allait prendre le truc, là. Ok. Pas patient, le gars. Ouais, mais il a pas que ça à faire. Bah, surtout qu'en plus, je trouve que les jeux sont moins chers sur PC, au final.
Après, l'avantage de la console, c'est que par exemple, tes jeux, tu peux les revendre. Accessoirement. Vraiment ? Merci beaucoup, Yusef. Attends, j'arrive. Merci beaucoup, user. On peut récupérer ça. Mais du coup, quoi ? Ah, il y avait des endroits où on ne pouvait pas aller, sûrement. Ah oui, là, genre là. Ok, on retourne. Merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. Oh, ok. On prend un peu d'air. Je crois que je suis pas allé là. Hein. Non. Je revends jamais mes jeux. Blasphème! Ça. Bah, je peux pas taper? Merde. Je vais me faire défoncer. Vite, vite! Non, mais fais pas ça! Pas maintenant, fais pas la toupie maintenant! Mais non, mais. Attendez, je peux me soigner là, Ici, on se souvient. Aveugle marne. Poisson rouge marne surtout. Garde tout, c'est le mieux. Bon, jamais mes jeux, j'ai essayé une fois, ça m'a pas porté chance. J'ai vendu sur PS2 Harry Potter 1 et 2, j'ai fini par acheter la trilogie des trois premiers sur PS2 après. Non, c'est sûr. Team console quand j'étais ado, et un jour j'ai eu un PC. Et moi j'aime bien les deux quand même, tu vois, quand c'est quand même, il y a une facilité, une tranquillité d'esprit avec la console qui est plutôt agréable, je trouve. Dans le sens où tu mets un jeu, tu le lances, ça marche, quoi. Il n'y a pas trop de... Après, je dis pas que ça n'arrive pas que... Non, j'ai plus d'oxygène. Ah, oh, c'est chiant. Mais forcément, on canne. Je vais encore canner. Non, je vais encore canner comme un caca. Ah non, mais je vais pas tout me retaper. Ah non, c'est bon, j'ai une sauvegarde. Bon. Ben, c'est bon, je sais pas si c'est bon, mais... Ah, on est juste là. Au revoir. Mais j'avoue que depuis le PC, j'achète moins de jeux sur console. Bah ben oui. Sur console, j'achète surtout les Final Fantasy, Tales of, Star Ocean, Dragon Quest, Kingdom Hearts. Oui, les RPG quoi. Et encore une fois, je trouve que c'est plus simple de jouer à ces jeux-là sur console. Bon, après, les PC se sont très consolisés. On va se soigner. On va faire le fou là. Ah, attends, faut que j'aille où en fait. Donc en bas, ça ne sert à rien, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Attends, peut-être qu'il y a un truc à faire. Pour un PC qui tient la route, il faut au moins mettre 1500€. Oui. C'est pas ça, visiblement. Ce n'est pas ça. Ok. Après, on va... On peut aller tout droit, là, je pense. Pour moi, il faut aller là. Oh, pardon, vous voyez pas, mais il n'y a pas de curseur, c'est dommage. Quoi, il n'y a rien, là? Je me suis fait avoir, comme tout à l'heure. Ah mais peut-être que je peux le péter ça? Non, et eh bien c'est super. Je fais exactement la même erreur que tout à l'heure. Bravo. Bravo le veau. Il faut que je remonte. Mais il faut que j'aille à droite là. Je peux aller par là. Tout simplement. C'était tout simplement par là. Là, on l'a déjà fait ça. Et c'est en bas là. Voilà, c'est là. C'est là qu'il y a eu le... Ça s'est arrêté ici. Merci Sean. Merci Sean pour le follow. C'est cool. Bienvenue à toi. Enfin, re-bienvenue. Hein. Non, si vous n'êtes pas follow, vous n'êtes pas bienvenue. Vous n'existez pas.
Quel enfer. Mais tu vas arrêter, oui. Formidable. Le pognon. Il saute pas. C'est stylé quand même. Attends, José, tu vois. On va faire un petit. Baf. Plutôt que. Aucune petite sauvegarde là, ok. Quelle heure il est? Il est 3h du mat. Est-ce qu'on s'arrêterait peut-être pas, là, pas loin? Si c'est pas là, c'est pas loin. Quoi? C'est nouveau ça? Vous allez vous calmer tout de suite là. Mais d'où il a? C'est quoi ces armes de ouf là? On connaissait pas. Il a pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh merde. Je regarde le chat. Quelle mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée de vous regarder. Hein. Je me suis trompé. J'ai pas vu que j'avais cette arme. Alors que c'est ce que je voulais faire. Dommage. Je crois que je peux bloquer. Je peux bloquer des trucs avec ça, mais c'est pas comme ça visiblement. Je joue mal. Il y a un truc en bas? Oui. Et je vais canner. Mais d'où? Vous me soignez quelque part, s'il vous plaît? Je vous en saurais gré. Ok. Ah! Petite plante. Descendons. La photo chat, hein? Il a bandeau le chat, hein? Qui achète encore en CD? Qui a un lecteur CD sur son PC déjà? Ah ouais, moi j'en ai plus, ouais. Sur mon ancien PC, j'en avais un, mais là, j'en ai plus. Je suis en train de Guillaume Canet, là. C'est une petite sauvegarde, là, quelque part. Mais où est-ce que je suis? C'est pas les égouts, ça. Hein. T'as un lecteur CD sur le tien? C'est beau. Windows 98 aussi? Oula! Ok. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'ai pas envie de canner. Oh, j'ai un peu. Voilà, j'ai un peu. Hein, voilà, je suis allé doucement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette porte m'a l'air singulière. Il nous faut sûrement une clé spéciale pour l'ouvrir. Ah, ça me dit quelque chose, ça. This door looks different. Je peux pas la frapper. Ah non, je peux pas la frapper du coup. J'essaie de pas casser. Windows 10, non mais je. Putain, je t'embête. Windows 98, comme son nom l'indique, remonte à un certain temps tout de même là. Mais j'ai connu Windows 98. J'ai même connu avant, c'est. Avant 98, il y avait quoi? Si quelqu'un dit 97, c'est bandef. Mais. Une porte là aussi. On dirait qu'il faut que j'assemble 4 fragments pour ouvrir cette porte. 4 fragments, ah ouais. Ah ouais. Salut Bandicoot. 95. Windows 95, exactement. Bienvenue à toi Bandicoot. Tu as le droit à un trinking, puisque c'est ça. Puisque tu sors de l'anonymous. Ah que coucou. Je dois collecter 4 fragments pour découvrir ce qui se cache derrière cette porte. Mais même avant, il y avait un truc. C'était Windows X, pas XP, mais... je sais plus, Windows 31 ou un truc comme ça. 3.1 ou je sais plus. Windows XP, ben avant... Attends, c'était XP? Et XP 95, 98? Non. C'est 95, 98, XP 7,
Vista. Je sais plus. J'ai aucun fragment. XP, Vista, 95, 98, 10. C'est vrai? Ah ouais, XP c'est si vieux que ça? C'est pas dans l'ordre ce que j'ai fait? C'est ce que dit Sean, du coup. Ah, tu as pas mis dans l'ordre, d'accord, ok. Je vais aller dodo, j'aime beaucoup l'ambiance, je repasserai. Merci pour l'accueil et très sympa. Ce jeu indé, bon live à toi, Eki, merci. Bon live à tous, des bisous, merci user. Merci beaucoup pour... Attends, merde. Merci beaucoup pour ton follow. Et pour ton raid surtout. Merci. Merci d'avoir suivi les conseils avisés d'un papa poulet. C'est beau. Dites-moi... Ah putain, mais c'était juste là. J'ai pas vu le clignotant. Oui, je n'ai pas vu le gros point d'exclamation. Oh, j'ai cru que j'allais canner. C'est bon. On est toujours en vie. Toujours debout. Toujours debout. Ah. J'ai tenu jusque là. Waouh! Sacré coup de poing, tu as mis une pâtée à ces chiens de l'acier. Marc m'a envoyé chercher la valve de rechange. Pourquoi mon grand frère n'est pas venu directement au lieu de t'envoyer? Il devait monter la garde. Tout est inondé. Bah, t'as bien eu. En fait, mon frère a peur de tomber dans l'eau. Il ne sait pas nager. Bah oui, mais il n'a peut-être pas envie de canner. C'est pas mal ça. Bonne nuit, users. Ce coffre est rempli des outils de plomberie de mon frère. Il a dû se tromper de coffre. Ah voilà, la valve de rechange. Apporte-la, mon frère. Très bien. Mais vous avez pas un truc pour vous soigner, là, les sbires? S'il vous plaît. Au secours. Par là, le soin? T'as pas l'air d'être par là, hein. Il fait quoi, là-haut? Il fait quoi? Du pognon. J'allais partir sans le pognon. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, il faut que j'utilise ça. Le Hadouken, là. Il y a un Hadouken un peu gratuit. Mmh. Un soin? Non. Non. Je vais canner comme un caca. Je l'avais pas vu. Ah merde. Une exécution mute était bien utile. Ah merde, j'ai pas pu l'exécuter. What? Au secours. Amazon Prime vient d'offrir tondeuse à gazon simulator et je rigole même pas. Tu rigoles même pas que t'es trop content? Bon, je récupère ça, moi. Mais je vais canner si je... Oh merde. J'ai pas pu me soigner. Au secours. Non, vu qu'il avait eu l'audace d'offrir ce jeu. Ah oui, qu'ils avaient eu l'audace d'offrir ce jeu. J'ai cru que tu rigolais même pas parce que tu trouves ça... T'es trop content. T'es vraiment trop content. Il y a rien entre Windows 8 et 10. Le 9 n'est jamais sorti. Non, il n'y a pas eu 9. Hein. Ça, en tout cas, Windows 9, ça ne me dit rien. Peut-être une Windows 8.1.8.4 qui ressemble beaucoup à un truc à part entière, mais... Compress the nice. Il y en a un et un 3, car 2 a été cassé. C'est possible. C'est fort probable. Allez, montons toujours plus haut. Ah oui, ça, je connais ça. Est-ce que ce serait pas une sauvegarde, là? Ça fait plaisir. Là, c'est la tête du mec, ça lui fait plaisir. Non, tu peux rester, Sean, tu veux. T'es pas perdu ici. Je t'assure.
trouvera des copains de blagues de merde. Sans problème. Moi en particulier. Bon, tu m'as bien eu, Luc. Je suis ton père d'ailleurs. Merci d'y être allé. Attends-moi ici, je vais vite ouvrir l'évacuation. Ok. Waouh. Et laisse-moi faire. Ah bah quand même. Au secours. J'essaierai d'emmener quelqu'un la prochaine fois. Tu peux. C'est bon. On a bloqué. On a débloqué. Je vais parler à papy. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'est réparé. Merci le lapin, désolé pour ce qu'on t'a fait faire ces fripouilles. Elles vont voir de quel bois je me chauffe. Je veux te rendre aux égouts par le contrôleur du train à ma droite. Bon voyage le lapin. Incroyable. Allez, je passe là, ça sauvegarde. Oui. C'est non. Est-ce qu'on a des compétences un petit peu là avant de s'échapper comme des sauvages? Ah oui, je pourrais débloquer un truc. Tournevis, c'est quoi ça? Ah, j'ai pas de pognon. Oh, ça a l'air rigolo ça, en vrai. Et ça c'est quoi? Ok. Ok, ça a l'air rigolo. Bon, je vais garder tout ça. Bien YouTube. Il est temps d'aller au lit là. Oh là là, JPP. JPP. Des bisous YouTube. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à sortir ton plus beau pouce bleu de l'amour. À mettre un petit abonnement aussi si tu veux voir la suite de ces aventures ou d'autres folles aventures. Plus éclectiques les unes que les autres. Oui, vraiment. Vraiment, Bandicoot, vraiment, vraiment. Oui, vraiment. à bientôt YouTube, en tout cas. J'espère que tu as passé un bon moment. Et je te dis à bientôt. Bye bye.